Alléluia. Bonjour, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus. Shalom à vous. Partout où vous êtes ce matin, recevez le bonjour de la Trinité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous aimons, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Quelle grâce de vous retrouver encore en ce merveilleux jour de la création de notre Dieu pour ce temps de prière. Soyez les bienvenus sur notre plateforme, la prière qui fait du bien. Amen. Cette prière qui déplace les montagnes. Ce matin encore, nous allons glorifier le nom de notre Dieu en lui remettant cette merveilleuse journée entre ses mains, lui disant merci pour la nuit, lui disant merci pour le nouveau mois. Il nous a gardé depuis le mois, depuis le début de cette année. Sa main était avec nous, nous avons vu sa grâce, nous avons vu sa fidélité. Remercions le Seigneur ensemble dans le nom de Jésus. Papa, dans les cieux ce matin, nous voulons t'exalter. Agneau de Dieu, nous voulons te magnifier, te rendre toute la gloire. Toi qui veilles sur nous, toi qui nous gardes et qui nous protège, notre Dieu et notre roi, celui qui a accepté d'aller à la croix à notre place. Notre âme te glorifie ce matin, notre âme t'exalte ce matin, tout ce qui en nous magnifie et exalte ton Saint-Nom, parce que tu es le Dieu vivant, l'Éternel des armées est ton nom. Papa, merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci Seigneur, parce que les Écritures déclarent que voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse et de réjouissance. Nous te bénissons par cette journée est sous ta couverture divine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié ce matin, Alpha et Oméga. Alléluia à ton nom. Merci notre Dieu et notre roi dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous allons remettre nos différents chemins, nos activités dans la main de Dieu. C'est une nouvelle journée. Que l'Éternel soit au centre de toutes choses. Que le Saint-Esprit vienne prendre la première place dans nos vies, la première place dans nos activités, dans tout ce que nous allons faire. Que le nom de Jésus seul soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, ce matin encore, nous voulons remettre toutes nos activités, nos différents chemins en tes mains, te demandant Saint-Esprit de venir prendre le contrôle absolu de cette journée. Nous te demandons de venir prendre la première place dans nos cœurs, la première place dans nos pensées, la première place dans nos activités, dans nos familles. Que toi seul sois glorifié au nom de Jésus. Sois au centre de toutes choses en cette journée, Père. Que notre aller, notre retour soit béni par toi. Partout où nous allons nous retrouver en cette journée, que ta présence soit avec nous au nom de Jésus. Partout où nous allons aller, Seigneur mon Dieu, que ta grâce nous accompagne dans le nom de Jésus. Multiplie ta faveur sur nous, comme tu l'as dit dans le livre de Psaume 115. Tu as dit que je multiplie ma faveur à vous et à vos enfants. Que cette parole s'accomplisse dans notre vie, en cette journée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Roi des rois, sois béni. Alpha et Oméga, sois exalté ce matin, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia à ton nom, au nom de Jésus. Nous allons regarder la parole de Dieu rapidement et nous allons prier ce matin dans le nom de Jésus. Dans le livre de Jérémie 33, tu vois, vous allez regarder la parole de Dieu avec moi ce matin. Jérémie 33, Jérémie se trouve dans l'Ancien Testament. Alléluia. Jérémie 33. Pour ceux qui ont leur Bible à regarder ou ceux qui veulent noter, notez avec moi ce matin le livre de Jérémie, le chapitre 33 à partir du verset 10. Je vais lire la parole de Dieu. Le verset 10 dit « Ainsi parle l'Éternel, on entendra encore dans ce lieu dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem dévastées, privées d'hommes, d'habitants et de bêtes. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les cris du fiancé et les cris de la fiancée. La voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible dit que là où on a dit qu'il n'y a plus, il y a plus d'espoir, là où il y en a dit il n'y a plus de solution, l'Éternel nous dit que dans ce même lieu qu'on entendra des cris de réjouissance, on entendra des cris de joie. Alléluia.
Les cris de joie vont s'entendre dans ta maison en cette fin d'année. Les cris d'allégresse doivent s'entendre dans ta maison en cette fin d'année. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ta parole s'accomplisse ce matin dans ma vie, dans le nom de Jésus. Là où j'ai été dévasté, là où l'ennemi est venu gâter des choses dans ma vie, Seigneur, tu vas restaurer toutes choses. Et je déclare que les cris de joie, les cris d'allégresse vont s'entendre dans ma maison, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut prier maintenant avec moi au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, ce matin, nous te remercions pour cette parole dans le livre de Jérémie 33, à partir de verset 10 et verset 11. Papa, nous déclarons que les cris de joie, les cris d'allégresse, les cris de réjouissance vont s'élever dans nos maisons. Cela se fera retentir, Seigneur mon Dieu, à la gloire de ton nom. Les hommes entendront les cris de joie dans nos maisons et ils célébreront ton nom avec nous, dans le nom de Jésus. Des cris de joie, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de l'Éternel des armées, ce matin, nous demandons cela. Que des cris de joie, que des cris d'allégresse, nous le demandons, nous le confessons. Que cela, Seigneur, cela notre portion en cette journée et dans cette semaine, en ce mois, cela sera notre portion. Des cris de joie, des cris d'allégresse, les cris de réjouissance. Oui, Seigneur, nous le célébrons dans nos différentes maisons à la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Dans nos familles, nous le déclarons également. Que nos familles, Seigneur, nous devons expérimenter la joie. L'allégresse sera leur portion dans le nom de Jésus. Dans nos différentes entreprises, nous n'entendrons pas de mauvaises nouvelles, mais des bonnes nouvelles viendront de l'Éternel des armées. Les cris de joie, les cris de réjouissance viendront. Les gens viendront célébrer l'Éternel des armées avec nous, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. L'Éternel dit dans les versets qui suivent, au verset 14, il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. La bonne parole que l'Éternel t'a donnée en début de cette année, tu vas dire à Dieu, Père, ce matin, cette parole va s'accomplir dans ma vie, quel que soit ce que la pandémie va dire, quel que soit ce que la pandémie va faire, la bonne parole de Dieu s'accomplira dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. La main de Dieu va agir dans ma vie, dans ma famille, la main de Dieu va agir. Bien-aimé, prie avec moi en disant, Seigneur, dans ma maison, ta main va agir. Dans ma famille, ta main va agir. Dans ma nation, ta main va agir. Dans mon église, ta main va agir. Ta main va accomplir cette bonne parole que tu nous as donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prendre autorité contre les forces maléfiques et démoniaques, les plans de l'ennemi à tous les niveaux. Que ce que l'ennemi a planifié, nous allons les détruire par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Père, ce matin, nous venons contre les forces démoniaques et sataniques. Nous venons contre les activités du monde des ténèbres. Oui, Seigneur, tout ce que l'ennemi a programmé contre cette journée, nous nous tenons dans le sang de Jésus. Nous les déprogrammons par la puissance du sang. Nous les déprogrammons par la puissance du sang. Nous les déprogrammons par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons que toute arme qui a été forgée contre nos vies, la vie de nos familles, contre les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, contre nos différentes églises, ce matin, nous les détruisons et nous les déprogrammons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, sois glorifié parce que ta pluie, la pluie de la restauration, la pluie de la joie, la pluie de l'abondance est notre portion. Tu le relâches sur nous, nous le recevons et nous déclarons que l'œuvre de nos mains prospère dans le nom de Jésus. Que le nom de Jésus est glorifié dans nos vies, dans tout ce que nous allons faire en cette journée. Que le nom de Jésus soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Sois béni Alpha et Oméga. Sois exalté, toi qui nous permets de t'appeler, de t'invoquer. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons un grand amen au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur vous en cette journée. Que sa grâce se multiplie dans votre vie. Nous vous aimons, mais Jésus vous aime plus. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et de le partager surtout dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Amen.